Jasage de jeux de rôle on the go des pauvres, aussi communément appelé à pied, ou ça peut être on the go des gens qui respectent l'environnement, là, c'est selon ce que vous préférez. Ce matin, on va vous parler d'un projet que la folle veut faire prochainement, un meurtre et mystère. C'est une forme de jeu de rôle. Ça, c'est comme un live très encadré. Puis, personnellement, j'ai jamais fait de meurtre et mystère. Fait qu'on va comme avoir ça, je vais faire ça la première fois. C'est, je ne sais plus du titre, mais c'est un meurtre mystère genre québécois, si je ne me trompe pas. On est comme dans un cirque des années 20. Et je vais jouer Aboulhamit. Ouais, Aboulhamit. Je suis un dompteur charmeur de serpents, avec des culottes bouffantes et tout. Ça va être bien, bien plaisant. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. On a trouvé nos joueurs, on n'a pas trouvé la date parce que est-ce que c'est dur de trouver une date pour chuter 10 personnes, tu sais. Mais ça augure vraiment bien comme activité. Ouais. La plupart des gens, justement, par exemple, qui vont être là, c'est des gens qui connaissent le jeu de rôle. Mais en même temps, tu sais, je veux dire, les meurtres et mystères, pas mal tout le monde en a déjà fait, là. T'sais, c'est une activité. C'est un jeu de rôle commun, on va dire. Il y a du monde qui ne connaissent pas ça, qui ont quand même joué avec, parce que même s'ils ne jouent pas à des jeux de rôle, la plupart des gens ont déjà mangé. Fait que manger en jouant à un jeu de rôle, c'est génial. Puis ce qui est pas pire de celui-là, c'est que nous autres, on est des tripeux de déjeuner, comme vous avez déjà vu dans le RPGED. Le meurtre et mystère, là, j'essaie de trouver un autre mot, mais je vais tout le temps dire ça. Le meurtre et mystère, c'est un meeting de matin. Donc, ça se fait au déjeuner. Puis c'est génial. On va être full dans l'ambiance avec des œufs, puis un brunch, puis tout. Fait que je pense qu'on veut faire ça au cours du mois de septembre. Septembre, il est jeune encore. Fait que on a en masse le temps de se préparer. Fait que s'il est vraiment plaisant, ben là. On verra, je sais que sur le marketplace, c'est facile de pogner ton jeu puis l'échanger à d'autres. Parce qu'une fois que tu as fait ça, c'est fini, tu peux pas vraiment le refaire. Fait qu'avec le marketplace, tu peux les trader. Fait que ça permettrait de faire une série de meurtres et mystères, dans le fond. Là. Fait que ça ressemble à ça ce matin. Ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé pour d'autres choses que vampires. Fait que j'ai trouvé de quoi dire. Bon ben, salut, bye!